La crise vie 123 créoles. L'honneur aussi. 123 créoles, chant d'espérance. Libre tristesse. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Mes sœurs et amis, collègues, pasteurs, invités d'honneur, invités spéciales, nous sommes réunis ici ce soir pour honorer la décision de cet homme chrétien et de cette femme qui est lui de continuer leur chemin ensemble après avoir passé plusieurs difficultés, plusieurs péripéties, mais ils ont resté fidèles l'un envers l'autre. Et dans leur premier 25 années, ils ont eu la chance, avec la grâce de notre grand Dieu créateur, de procréer 4 beaux enfants. À Dieu soit la gloire. Nous disons à Dieu soit la gloire. Donc ces enfants sont ici présents au milieu de nous. Nous nous référons à ce jeune homme utile pour sa famille et pour son église, Monsieur Jason, mettez-vous debout. Ezekiel, mettez-vous debout. Freddy, mettez-vous debout. Et le petit Benjamin Josué. Alléluia. Ça, c'est bénédiction, mon Dieu. Peut-être l'assemblée de l'activement, mais le deuxième, le cinquième, n'a pas de côté les amis. Bon, ça s'est mis à côté. Mon Dieu, merci. 4 beaux jeunes garçons, bien entendus, bien combinés, qui a appuyé décision, maman yo et papa yo. Yo présent, yo capable, accompagné maman et papa yo pour la route après un mariage d'argent, yo capable de vivre dans un mariage d'or. Merci, gracias pour les sentences. Monsieur Lucien, mettez-vous debout. Aidez Solène pour capable de camper. Solène, dirigez, gardez Lucien à sa place. Alléluia. Monsieur Lucien, prends mes doigts. Solène, gardez l'ange. Ça c'est le moment pas là qui arrive. Vous prenez une décision pour continuer à garder le produit que mon Dieu l'a gagné dans le monde. Vous faites route avec. Mais c'est officiel, gardez cela bien. Vous avez gardé la chicane. Alléluia. Bon, mais c'est nous qui sommes passés ce soir, tu as dit oui, non. Alléluia. Monsieur Lucien, Henri, voulez-vous prendre cette dame
Solane, qui est lui. Pour votre épouse, une deuxième fois, et vivre avec elle, selon l'ordonnance de Dieu, dans le saint état du mariage. Voulez-vous l'aimer, la chérir, l'honorer en tout temps et en renonçant une fois de plus à toute autre femme? Voulez-vous vous attacher à elle seule tant que vous vivrez tous les deux? Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement en présence de cette assemblée et des invités. Solène, regardez bien cet homme. Voulez-vous prendre Henri Fussien une fois de plus comme votre époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous lui obéir, le servir, l'aimer, l'honorer à tout temps et en renonçant à toute autre forme, homme, une fois de plus? Voulez-vous vous attacher à lui seul tant que vous vivrez tous les deux? Que Dieu vous entende, qu'il sanctionne et bénisse votre engagement. Amen. Toi qui écoutes la prière et tous les hommes
toi qui étais le premier prêtre, pasteur et invité dans le jardin d'Éden, toi qui as fait des miracles pour notre premier couple, parents, Adam et Ève, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Après avoir vécu plus de 25 ans, notre frère Christian et notre sœur Solane, devant cette assemblée, devant les invités, nous venons vous présenter, ô Dieu, ce signe qui vont porter, qui vont utiliser une fois de plus comme un engagement de leur amour, de leur union matrimoniale. Nous te demandons de bien vouloir ajouter ta grâce, ta bénédiction sur ce anneau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.